Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons ensemble faire le déballage du Camon 19 Pro, le nouveau smartphone de la marque Tecno Mobile qui débarque sur le marché du mobile en Côte d'Ivoire. Il se présente comme le dernier smartphone de la série Camon, orienté sur la photographie mobile, livré avec des spécifications techniques performantes et futuristes pour une meilleure expérience utilisateur. C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de la vidéo. Avant de commencer, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Pour le design du package, Tecno a opté pour la couleur bleu et blanc traditionnelle de la marque, avec le Camon 19 inscrit en gras, ainsi que la 5G. En haut, nous avons des spécifications techniques, notamment la mémoire interne qui est de 256 Go, plus 8 + 5 Go de RAM avec la 5G qui est une technologie mobile futuriste. Derrière, nous avons le résumé des spécifications techniques que nous allons voir plus tard. TÜV Rheinland qui est une certification du Camon 19 Pro concernant la protection des yeux contre la lumière bleue des écrans. Sans plus tarder, nous allons faire le déballage pour découvrir ce qu'on peut trouver à l'intérieur du Camon 19 Pro 5G. Dès qu'on ouvre, nous avons le téléphone qui est l'élément le plus important. Voilà. Ensuite, on a la carte de garantie 12 mois plus 1. Ensuite, nous avons le chargeur Mirai de 33 watts. Le câble du chargeur qui est du type C. L'écouteur blanc du téléphone. L'éjecteur de la puce. Une coque de protection en plastique. Après le déballage, voilà les éléments que vous allez trouver à l'intérieur du Camon 19 Pro 5G. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'élément le plus important qui est le téléphone. Donc, voilà un aperçu du téléphone. Voilà. Après le déballage, nous allons faire la prise en main rapide du téléphone. Avant, nous allons d'abord allumer le téléphone. Bienvenue sur HiOS 8.6.0 qui est l'interface utilisateur de Tecno Mobile. Voilà l'écran d'accueil du Tecno Camon 19 Pro qui est vraiment élégant, clair avec un écran AMOLED très intéressant. Nous allons nous intéresser au design du Camon 19 Pro. À l'avant, le Camon 19 Pro est livré avec un écran LCD de 6,8 pixels avec la technologie AMOLED qui dispose d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un écran de 1080 pixels. Il embarque également une caméra frontale de 16 mégapixels directement intégrée à l'écran pour réaliser des selfies de qualité. Sur le côté droit, nous avons le bouton d'allumage du téléphone qui embarque le capteur d'empreinte digitale. En haut, nous avons le bouton du volume. En haut, nous avons le microphone. À droite, nous avons les tiroirs de la puce pour insérer une double nano SIM avec une carte mémoire pour étendre les possibilités de mémoire du téléphone. En bas du téléphone, nous avons une grille du haut-parleur, un port USB de type C, un microphone et le port de l'écouteur du téléphone. À l'arrière, nous avons une configuration de 3 caméras, dont une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra en profondeur de 50 mégapixels, une troisième caméra de 2 mégapixels pour réaliser les bokehs qui embarquent également un laser plus 4 flashs LED
pour la lumière. Comme vous le constatez, l'arrière présente un beau design avec une finition brillante et élégante, le branding du Techno Camon derrière. Après le design, nous allons nous intéresser aux spécifications techniques du téléphone. Spécifications techniques, le Camon 19 Pro est livré avec le HiOS basé sur Android. Ensuite, nous avons le nom de l'appareil qui est Techno Camon 19 Pro 5G, le modèle qui est Techno CI7N. Nous avons la version de l'Android qui est Android 12 qui peut être migrée sur Android 13, la dernière version du système d'exploitation de Google. Le téléphone tourne sur le processeur Helio Dimensity 810. Pour l'appareil, la caméra frontale, nous avons 16 mégapixels. À l'arrière, nous avons 64 mégapixels pour la caméra principale. Ensuite, nous avons 50 mégapixels et 2 mégapixels pour réaliser les bokeh. À côté, nous avons 8 Go de RAM plus 3 en extension. Nous avons 256 Go de mémoire interne. En ce qui concerne la puissance de la batterie, nous avons 5000 mAh. Côté écran, nous avons 1080 x 2460. Le Camon 19 Pro est livré avec 500 mAh de batterie qui prend en compte le système de charge rapide avec un chargeur de 33 watts. En termes de connectivité, il faut dire que c'est l'un des rares smartphones innovants de la marque livré avec la 5G. La 5G qui est une technologie mobile futuriste pour les smartphones de nouvelle génération. Ainsi, c'est le résumé de l'essentiel des spécifications techniques du Camon 19 Pro. Voilà aussi un aperçu des panneaux de fonctionnalités qu'on peut trouver sur le Camon 19 Pro 5G. Côté caméra également, vous avez toutes ces fonctionnalités, le mode vidéo, mode intelligence artificielle, mode beauté, mode portrait, mode super nuit, vous avez les prises de photos AR, la réalisation de courtes vidéos, photos pro, vidéos et photos ralenties, photos panoramiques, le système de scan de documents, le mode macro, le mode sky, c'est cette nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de changer la couleur du ciel comme vous voulez. Vous avez toutes ces fonctionnalités qui viennent améliorer l'expérience des utilisateurs. Le smartphone est aussi compatible avec les réseaux 3G, 4G, LTE jusqu'à au réseau 5G. Nous avons le Camon 19 Pro 5G qui coûte 195 000 francs CFA. Ensuite, nous avons le Camon 19 Pro normal qui est 165 000 francs CFA. Et enfin, le Camon 19 normal qui est de 115 000 francs CFA sur le marché. Avec un très beau design, des spécifications techniques performantes avec des technologies de dernière génération et futuristes, le Camon 19 Pro 5G est l'un des meilleurs smartphones de sa génération. Ainsi prend fin le déballage du Techno Camon 19 Pro 5G. Nous allons tester et vous faire un retour d'expérience dans quelques semaines. Merci. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.